Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. La saison estivale bat actuellement son plein et c'est justement le moment de l'année le plus plébiscité pour les déménagements. Un déménagement, c'est refermer une page de sa vie pour en ouvrir une nouvelle, mais on le sait aussi, les déménagements sont particulièrement épuisants. Offrir une carte à cette occasion n'est pas forcément quelque chose de courant chez nous, mais c'est à mon sens une attention particulièrement importante. Pour souhaiter la bienvenue à nos proches, dans leur petit nid douillet, j'aime énormément l'idée de leur créer une carte de bienvenue. Je trouve en effet que c'est une attention emplie de bienveillance et qui fait particulièrement du bien dans ce genre de moment. Et ça tombe bien, c'est justement le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Et avec ce petit message juste ici, c'est aussi un projet qui pourrait tout à fait être offert pour souhaiter la bienvenue à un nouveau membre de la famille, par exemple pour une belle-fille ou encore une belle-sœur. En effet, ce n'est pas une situation facile au départ d'intégrer une nouvelle famille. Aussi, je trouve qu'offrir ce genre de carte nous permet d'ouvrir notre cœur, mais aussi, à l'avantage, de mettre beaucoup plus à l'aise la personne concernée. Bien évidemment, cette carte pourrait être détournée pour toutes sortes d'occasions, anniversaire, remerciement ou encore félicitations. Cette carte fera son petit effet à coup sûr. Donc, si la confection de cette jolie carte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici, dans des teintes pétales roses, piscine partie, mais également sous l'écume, dans un style tout doux, aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons à nouveau utiliser du papier blanc, et notamment du papier blanc dans sa version épaisse, afin d'obtenir un projet qui soit particulièrement rigide et qui tienne sans aucun problème à la verticale. De plus, ce papier blanc nous permet d'obtenir un effet de douceur sur notre projet que j'apprécie tout particulièrement. Tout d'abord, et pour réaliser le socle en trois dimensions qui va prendre place sur l'avant, nous allons avoir besoin d'un morceau qui mesure 11 cm par 19 cm. Pour réaliser cette fois-ci le panneau qui va prendre place sur l'arrière et notamment à la verticale, nous allons avoir besoin d'un autre morceau de papier et qui mesure cette fois-ci 11 cm par 14,5 cm. Pour apposer sur notre support en trois dimensions sur l'avant et notamment sur le dessous et pour le rigidifier, nous allons avoir besoin d'un autre panneau blanc beaucoup plus petit et qui mesure cette fois-ci 3,8 par 11 cm. Pour en terminer avec nos papiers blancs, nous allons avoir besoin d'un dernier panneau, cette fois-ci pour pouvoir y ajouter notre petit message personnel que l'on viendra coller à l'arrière de notre panneau à la verticale, seulement après avoir écrit justement notre petit mot. Et ce panneau devra notamment mesurer 10,5 par 14 cm. Pour réaliser la décoration de notre projet, notamment sur le panneau sur l'arrière, nous allons utiliser cette superbe collection qui se nomme tout naturellement Bois de campagne, où nous retrouvons de superbes nervures de bois dans des teintes pour certains très neutres avec du gris ou du marron et pour d'autres beaucoup plus colorées, comme vous pouvez le voir juste ici. Une collection absolument magnifique et qui, je trouve, correspond parfaitement
avec le thème de notre projet du jour et notamment notre jolie petite maison d'oiseaux que l'on viendra justement apposer par-dessus notre panneau de papier à motifs. Pour ma version précédente, que j'ai réalisée dans des teintes toutes douces, j'ai utilisé ce panneau où nous retrouvons des teintes de gris, gris souris, ardoise bourgeoise. Pour notre version du jour et pour avoir un rendu complètement différent, nous allons utiliser cette feuille de papier dans des teintes beaucoup plus vives, toujours avec nos jolies nervures de bois. Et pour pouvoir décorer notre projet du jour, nous allons avoir besoin d'un morceau qui mesure 10,4 cm par 12 cm. Nous avons désormais tous les éléments pour confectionner cette jolie carte. Je vous propose cette fois-ci de vous installer confortablement pour un petit moment d'évasion et de créativité. Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier et notamment de notre outil de marquage, mais également de notre plus grand morceau de papier blanc qui mesure 11 par 19 cm. Et justement, dans la longueur de notre morceau de papier, dans les 19 cm, nous allons devoir réaliser 4 marques de plis sur la gauche, mais également 4 marques de plis sur la droite et aux mêmes dimensions d'un côté comme de l'autre côté. Tout d'abord, je vais réaliser une première marque à 1,9 cm. Une seconde à 3,8 cm. Une troisième à 5,7. Et enfin, une dernière sur la gauche à 7,6 cm. Une fois que mes 4 marques de plis ont été réalisées sur la partie gauche, je vais refaire exactement la même chose, cette fois-ci sur la droite, et à nouveau aux mêmes mesures. Je vais donc refaire une première marque à 1,9, une autre à 3,8, à 5,7 cm et enfin à 7,6 cm afin d'obtenir 4 marques de plis sur la droite et 4 marques de plis sur la gauche et un espace central un peu plus grand que chacune des bandes que nous avons réalisées. Avant d'en avoir terminé avec notre coupe-papier, nous allons simplement retirer un petit millimètre sur la droite, mais également sur la gauche, pour pouvoir ensuite former beaucoup plus facilement notre socle par la suite. Et c'est très simple, je vais simplement me positionner ici, au niveau de ma ligne de coupe, et je retire une toute petite bandelette d'un millimètre d'un côté, mais également de l'autre côté. Notre panneau est désormais prêt. Nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et former correctement toutes les marques de plis que nous venons de réaliser. Et je vais simplement les marquer les unes après les autres, toutes dans le même sens, à chaque fois sur l'intérieur. Et je refais la même chose de l'autre côté. Et ce morceau de papier va nous permettre d'obtenir le socle en 3D qui viendra prendre place sur l'avant de notre carte. Mais avant de le coller et de lui donner sa forme, nous allons lui apporter une petite décoration pour le rendre bien évidemment encore plus joli. Pour cela, la petite astuce, nous allons utiliser un classeur de gaufrage qui va changer complètement le rendu de notre carte. Et pour cela, j'ai choisi d'utiliser ce joli plioir en 3 dimensions qui se nomme carreau patiné, qui va nous permettre d'obtenir ce motif sur notre morceau de papier. Et je vais commencer par le passer d'un côté, ici au niveau de mes marques de plis uniquement, puisque la partie centrale, elle, va être cachée, va être positionnée sur le bas. Je n'ai donc pas forcément besoin de l'embosser. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas passer le tout en une seule fois dans la machine, puisque mon panneau est plus grand que mon plioir. Aussi, je vais embosser une première partie
au niveau de chacune de mes marques de plis. Je vais ensuite retourner et refaire exactement la même chose et je n'aurai pas besoin d'embosser la partie centrale puisqu'elle sera invisible sur notre projet. Une fois embossé, voici le superbe rendu que nous obtenons sur notre morceau de papier, tant d'un côté que de l'autre côté. Et nous retrouvons cette partie centrale qui n'a pas été embossée et qui va se trouver sur l'arrière. Cette fois-ci, nous allons pouvoir remarquer délicatement les plis. Nous aurions pu effectivement ne pas les marquer tout à l'heure au préalable, mais si nous ne l'avions pas fait, il aurait été très compliqué de les remarquer après avoir embossé. Le fait de les avoir marqués au préalable, avant l'embossage, nous permet de les retrouver beaucoup plus facilement puisqu'ils ont déjà été marqués une première fois. Et il est, comme vous pouvez le voir, très facile de les remarquer sans aucun problème, malgré le fait qu'ils aient été passés sous les plaques dans notre machine de découpe. Et je peux appuyer délicatement, sans aucun problème, pour pouvoir obtenir ceci. Une fois que nous avons embossé et marqué les plis, nous allons pouvoir coller et former ce support. Pour cela, cela va être assez simple. Nous allons devoir ajouter de la colle au niveau de nos deux parties, les plus sur l'extérieur, celle-ci sur la gauche et celle-ci sur la droite, vous le voyez. Et je vais devoir rouler mon papier sur lui-même pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Et vous le voyez, le fait d'avoir retiré un petit millimètre au niveau de notre dernière partie nous permet de pouvoir ainsi les fixer correctement sans avoir une partie qui dépasse, puisque nous perdons toujours quelques millimètres lorsque nous marquons des plis. Ici, nous voyons que cela tient parfaitement bien à l'intérieur. Nos bandes ne dépassent pas de chaque côté dû à leur largeur. Et une fois que ces deux parties auront été collées sur le bas de notre socle, ici à l'intérieur, il nous faudra coller ces deux parties entre elles pour pouvoir les maintenir. Seulement, je ne vais pas ajouter de la colle jusqu'en haut, je vais ajouter de la colle uniquement sur le bas, tout simplement pour pouvoir y ajouter des éléments à la verticale par la suite entre justement ces deux parties centrales. Tout d'abord, je commence par déplier mon morceau de papier. Vous le voyez ici, nous avons l'intérieur et l'extérieur. Je vais le retourner tel quel et replier seulement une colonne sur l'intérieur et ajouter de la colle sur chacune d'entre elles. J'ajoute ma colle sur toute la surface, d'un côté et de l'autre côté. Donc j'ai bien replié ma bande sur l'intérieur. Et une fois que ceci est fait, je vais replier complètement cette partie pour fixer notre partie collée sur la partie centrale. Et je fais la même chose en même temps. Et ensuite, je viens m'aider, par exemple, de mon outil touche à tout, pour fixer l'intérieur et faire adhérer notre colle. Et pour l'instant, nos deux parties ne sont pas encore collées au niveau du centre. C'est tout à fait normal. Il faut d'abord commencer par coller ces parties sur l'intérieur pour pouvoir ensuite nous occuper de la partie centrale. Et bien évidemment, je fais attention de me positionner correctement. Je prends le temps d'être bien alignée. Et ensuite, je peux appuyer sur la partie centrale pour pouvoir obtenir ceci. Et vous le voyez, sur le dessous, nous retrouvons la partie qui n'a pas été embossée. Et nous avons nos deux petites bandes qui ont été collées sur l'intérieur. Cette fois-ci, nous allons devoir coller ces deux parties entre elles,
mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'allons pas ajouter de la colle jusqu'en haut pour pouvoir ensuite y glisser des découpes à l'intérieur et notamment le perchoir où va se trouver notre joli petit oiseau. Donc je vais simplement déplier. Je peux appuyer si je le souhaite pour faire prendre encore un peu plus ma colle. Et je vais ajouter de la colle sur mes deux parties centrales, ici les plus sur l'intérieur. Je n'ajoute pas de la colle sur les deux bandes extérieures. Et j'en ajoute uniquement sur la partie basse. Je ne remonte pas trop haut pour pouvoir ensuite glisser des petits éléments à l'intérieur, ce qui va faire justement toute l'originalité de notre carte. Et une fois que ceci est fait, je peux relever et faire prendre ces deux parties entre elles. Et je peux également appuyer à l'aide de mes doigts sur l'intérieur et j'attends que la colle prenne complètement. Et vous le voyez que le rendu avec cet embossage est quand même complètement différent du papier blanc standard que nous avions précédemment. Et une fois que ceci est fait, nous avons désormais les deux éléments qui vont nous permettre de donner la forme à notre carte, c'est-à-dire le support en 3D ici sur l'avant avec au centre la possibilité d'y glisser des petits éléments et enfin le panneau extérieur, le panneau arrière qui va prendre place ici complètement sur le bas. Et justement cette fois-ci la prochaine étape est avant de fixer notre panneau de papier à motif par-dessus ce panneau pour être sûr de le positionner au bon endroit. Nous allons dans un premier temps coller et assembler ces deux éléments entre eux. Pour cela, je vais simplement ajouter de la colle sur la partie arrière, juste ici, et je vais ensuite coller mon panneau à la verticale en m'alignant complètement sur le bas, mais également sur la gauche et sur la droite. Et ensuite, je pourrai sans aucun problème coller mon panneau de papier à motif et le centrer de tous les côtés. Avant de coller ces deux éléments, je vais de ce pas reprendre le panneau le plus petit qui mesure 3,8 par 11 cm en papier blanc, ajouter de la colle et je vais le fixer sur le bas de notre socle pour le rendre beaucoup plus solide et lui apporter une meilleure stabilité par la suite. Donc je commence par fixer cet élément et je viendrai ensuite m'occuper de mon panneau arrière. Et une fois que cet élément est ajouté, je vais pouvoir m'occuper de mon panneau sur l'arrière. Et je viens simplement ajouter de la colle ici sur toute cette partie et faire prendre mon panneau sur l'arrière pour pouvoir ensuite obtenir la forme de notre carte. Comme vous pouvez le voir, la base de notre carte est désormais faite. Nous retrouvons bel et bien notre socle ici sur l'avant et notre panneau que l'on va ensuite décorer ici sur l'arrière. Et justement, je vais pouvoir reprendre cette fois-ci mon panneau de papier à motif et je vais le fixer ici en laissant la même largeur de tous les côtés. Une fois mon panneau de papier à motif collé sur la partie arrière, comme vous pouvez le voir, la base, la structure de notre carte est désormais prête à être décorée. En effet, nous allons confectionner ensemble
une jolie maison à oiseaux et l'agrémenter avec tout plein d'éléments, des fleurs, du feuillage, des petits oiseaux ou encore des papillons qui vont apporter une ambiance toute particulière à notre carte. Pour réaliser toute la décoration, nous allons utiliser la collection qui se nomme Nichoir Campagnard, qui se compose du set de tampons et des poinçons coordonnés, où nous retrouvons évidemment la star de cette collection, ce superbe nichoir que nous allons pouvoir tamponner puis découper, et nous retrouvons également de quoi l'agrémenter, ce joli petit oiseau, des fleurs ou encore des tamponnages textures, mais également de jolis messages « Bienvenue chez toi, la liberté t'attend » ou encore « Passe une très belle journée ». Et aujourd'hui, nous allons utiliser tant notre set de tampons que les poinçons qui sont coordonnés. Et dans un premier temps, nous allons réaliser notre nichoir qui va être l'élément central de notre carte. Pour pouvoir le réaliser, nous allons uniquement avoir besoin dans un premier temps de nos poinçons. Je vais donc pouvoir mettre de côté ce set de tampons que nous réutiliserons par la suite. Et pour le réaliser, je vais dans un premier temps avoir besoin de mon très grand poinçon juste ici pour me permettre de réaliser la base du nichoir. Et nous allons l'accessoiriser avec tout plein d'éléments, notamment notre suspension juste ici avec le nœud que nous positionnerons sur le haut. Nous allons également avoir besoin de cet élément pour le bas. Nous allons également utiliser ce petit poinçon juste ici pour réaliser l'ouverture du nichoir. Et enfin, nous allons utiliser nos trois poinçons juste ici pour réaliser le toit de notre nichoir. Vous allez voir que ce sont tous ces petits éléments qui vont faire la beauté de notre nichoir. Et nous viendrons réutiliser par la suite d'autres poinçons, notamment pour notre petit oiseau, mais également toutes nos fleurs et notre feuillage. Mais dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur la confection de notre nichoir et nous viendrons ensuite lui ajouter tout plein d'éléments pour le décorer. Pour pouvoir réaliser ces découpes, nous allons utiliser plusieurs couleurs de papier. Tout d'abord, concernant la découpe centrale juste ici, qui est la plus grande partie de notre nichoir, je vais la réaliser dans du papier blanc. Concernant l'élément le plus large de mon toit qui se trouve juste ici, mais également la partie basse, je vais les réaliser dans du papier en couleur mystérieuse brume, couleur que nous retrouvons sur notre papier à motif. Concernant le petit élément juste ici, le plus fin, mais également le nœud et enfin notre petit cercle pour l'ouverture du nichoir, je vais cette fois-ci les réaliser dans une couleur différente et notamment dans du papier piscine party, couleur qui fait également partie de notre panneau de papier à motifs. Et enfin, concernant ma découpe juste ici, avec tous les petits festons, je vais la réaliser cette fois-ci dans du papier blanc. Donc je passe tous ces éléments dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour les coller et les assembler, mais également pour apporter une petite décoration supplémentaire à la base de notre nichoir. Une fois tous mes éléments réalisés, voici ce que nous obtenons. Et justement, avant de coller tout ceci sur notre nichoir, nous allons lui apporter une petite décoration supplémentaire, tout simplement à l'aide d'un classeur de gaufrage. Et pour changer du classeur de gaufrage que nous avons utilisé pour la partie en trois dimensions sur l'avant et sur le bas, nous allons cette fois-ci utiliser le joli plioir en trois dimensions qui se nomme œillet, qui nous permet d'obtenir ces jolis motifs sur nos morceaux de papier. Et je vais simplement placer ma découpe de nichoir à l'intérieur, puis passer le tout dans la machine avec ma plaque spécialité pour obtenir mon motif en 3D sur ma découpe. Une fois ma découpe de nichoir passée dans mon plioir à gaufrage, voici le joli rendu que nous obtenons. Je vais pouvoir reprendre cette fois-ci chacun des éléments que nous avons préparés tout à l'heure et je vais les apposer par-dessus
sur le haut, mais également sur le bas. Une fois ces éléments assemblés, voici ce que nous obtenons. Il ne nous reste plus qu'à y ajouter les ouvertures sur la partie centrale. Nous avons ici la plus petite qui a été réalisée avec cette même collection. Et pour réaliser la seconde, plus grande, pour que nos oiseaux puissent rentrer à l'intérieur, je vais simplement utiliser ma collection de poinçons qui se nomme Forme à la mode, que l'on utilise très souvent ensemble pour réaliser toutes sortes d'étiquettes avec à chaque fois notre fausse couture qui apparaît tout autour. Et ici, pour notre projet du jour, je vais utiliser mon plus petit poinçon en forme de cercle et je vais le passer dans la machine de découpe, dans ma chute de papier en couleur piscine party. Et je viendrai le positionner sur le haut et juste en dessous, je vais positionner mon plus petit cercle toujours sur la partie centrale. Une fois notre joli petit nichoir prêt, voici ce que nous obtenons. Je vais pouvoir lui ajouter sur l'arrière des stampines dimensionnelles pour le coller en volume et la poser ensuite ici au centre de notre panneau avec notre papier à motif. Une fois le nichoir positionné sur le panneau à la verticale, voici ce que nous obtenons. Avant de nous occuper de tous les éléments de décoration qui vont prendre place sur l'arrière mais également sur l'avant, nous allons nous occuper de notre étiquette message qui va être positionnée ici à l'arrière sur la droite. Et pour pouvoir la réaliser, nous allons utiliser le set de tampons nichoir campagnard que je vous ai présenté tout à l'heure. Et nous allons notamment avoir besoin du petit message « Bienvenue chez toi » qui, vous le voyez, est parfaitement coordonné au thème de notre projet du jour. Et pour le tamponner, contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mon encreur en couleur gris souris, aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour, nous allons utiliser notre encreur en couleur mystérieuse brune. Une fois que je l'aurai tamponné sur du papier blanc, je vais le découper pour créer une jolie étiquette. Et pour cela, je vais utiliser les tampons qui se nomment « Souhaits des fêtes » où nous retrouvons à l'intérieur tout un tas d'étiquettes dans des tailles et des formes différentes. Et pour correspondre à la taille de notre message, je vais utiliser mon poinçon qui se trouve juste ici. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après. Une fois ce tamponnage réalisé puis découpé, voici la magnifique étiquette que nous obtenons. Je vais pouvoir lui ajouter un peu de colle sur l'arrière et la fixer ici en haut et notamment sur la droite en billet. Et nous viendrons cacher le petit trou du passage du ruban, ici, avec une jolie petite fleur et du feuillage. Une fois notre étiquette message positionnée, nous allons pouvoir nous occuper de tous les éléments qui vont changer considérablement l'allure de notre carte. Et pour pouvoir réaliser nos petits oiseaux, toutes les fleurs et le feuillage, nous allons à nouveau reprendre notre collection nichoir campagnard et nous allons avoir besoin de tout plein d'éléments différents. Tout d'abord, la première étape, je vais avoir besoin de mon tamponnage petit oiseau juste ici que je vais tamponner deux fois sur du papier blanc et notamment avec mon encreur Memento en couleur noire puisque nous viendrons les coloriser par la suite avec nos feutres à alcool. Et une fois que je les aurai tamponnés, je vais bien évidemment avoir besoin de mon poinçon pour pouvoir les découper.
En plus de cela, et pour pouvoir positionner ce petit oiseau en trois dimensions sur l'avant de notre carte, nous allons avoir besoin de notre découpe juste ici, sur lequel trônera notre joli petit oiseau. Et je vais réaliser cette découpe dans du papier en couleur mystérieuse brume, contrairement à ma version précédente où j'avais utilisé du papier ici en couleur gris souris. En plus de cela, nous allons avoir besoin de tout plein de poinçons, de fleurs et de feuillages. Concernant mes feuillages, je vais utiliser ce poinçon qui se trouve juste ici à deux branches, que je vais réaliser plusieurs fois dans du papier en couleur sous l'écume, un très joli vert tout doux qui va apporter beaucoup de douceur et de charme à notre carte. Cette fois-ci, concernant les fleurs, je vais avoir besoin de plusieurs poinçons. Je vais notamment utiliser ma grande fleur juste ici, celle plus petite, celle-ci, mais également celle-ci dans des formes différentes, que je vais réaliser à nouveau plusieurs fois, dans des couleurs différentes, dans du papier en couleur mystérieuse brume évidemment, mais également dans du papier blanc, mais également piscine party et pétale rose, pour obtenir tout plein de fleurs dans des teintes différentes. Donc je passe tout ça dans la machine, je réalise tous mes éléments, fleurs, feuillages ou encore petits oiseaux, et je vous retrouve juste après. Tous mes éléments réalisés, voici ce que nous obtenons. Ici, j'ai réalisé 9 jolis feuillages très fins en couleur sous l'écume, mais également tamponné et découpé les deux petits oiseaux. J'ai réalisé tout plein de fleurs dans des tailles et des formes différentes, mais également dans des teintes différentes. Et enfin, le support pour notre oiseau en version mystérieuse brume. Je vais mettre de côté dans un premier temps nos petits oiseaux que nous viendrons coloriser par la suite. Vous allez voir qu'ils ont complètement changé d'allure. Je vais également mettre de côté le support que l'on positionnera par la suite en trois dimensions. Et je vais positionner chacun de ces éléments sur notre carte, que ce soit ici sur l'arrière, mais également sur la partie avant. Et je vais y aller un peu au feeling. Je vais voir où positionner chacun de ces éléments en fonction de mes goûts et de mes envies, mais également en fonction du papier à motif qui apparaît sur l'arrière. Ces éléments positionnés sur le haut, sur le panneau arrière, mais également sur l'avant, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez l'apercevoir, je n'ai pas encore terminé de positionner tous mes éléments, puisque nous allons avant cela ajouter au niveau du centre le support pour notre petit oiseau. Et pour cela, nous allons reprendre cette superbe découpe juste ici. Je vais recouper un tout petit peu en hauteur à l'aide de mes ciseaux pour raccourcir ma découpe et je vais ajouter de la colle sur la partie basse et faire glisser cet élément au centre de notre support en trois dimensions
Comme vous le savez, nous n'avons pas collé la partie centrale jusqu'en haut pour pouvoir justement faire glisser un élément au niveau du centre. Ici, cela rentre sans aucun problème. Je vais faire attention de le centrer et je vais l'ajouter, le glisser ici à l'intérieur en ajoutant un peu de colle au préalable. Et je vais avant cela recouper un tout petit peu mon support pour éviter que notre petit oiseau soit trop haut et cache notre jolie petite maison sur l'arrière. Et une fois que ceci est fait, j'ajoute ma colle et je viens glisser cet élément au centre, au niveau de notre partie en trois dimensions. Et j'ajoute simplement un tout petit filet de colle, à gauche, à droite. Inutile d'en ajouter beaucoup, puisque cela va être maintenu sans aucun problème entre nos deux parties. Et je fais glisser le tout sur l'intérieur. En faisant attention de me centrer correctement. Une fois notre petit présentoir positionné ici au niveau de la partie centrale, voici ce que nous obtenons. Et nous pourrons par la suite apposer un mini point de colle sur l'arrière de notre petit oiseau et le fixer ici au niveau du centre. Avant cela, nous viendrons bien évidemment les coloriser avec des couleurs coordonnées. Et tout d'abord, je vais terminer d'ajouter les quelques petites fleurs manquantes à ma carte, mais également mon dernier feuillage, ici sur le présentoir que nous venons d'ajouter, mais également sur la partie de gauche. Une fois mes derniers petits éléments ajoutés, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, et avant de coloriser nos petits oiseaux, nous allons réaliser deux jolis papillons, un grand et un plus petit, qui vont agrémenter notre carte. Et pour pouvoir les réaliser, je vais simplement utiliser ma collection de poinçons esquisses de papillons, où nous retrouvons à l'intérieur tout plein de poinçons, des poinçons évidés puisqu'ils sont coordonnés à un set de tampons, mais également des poinçons beaucoup plus fins, plus détaillés. Et c'est justement ceci que nous allons utiliser aujourd'hui, le petit mais également le moyen, que je vais tous deux découper dans du papier en couleur blanc. Une fois mes deux papillons réalisés dans mon papier blanc, il me suffit de courber leurs ailes et d'ajouter un peu de colle sur la partie centrale, puis de les ajouter sur notre carte. Une fois ces deux papillons positionnés ici sur la partie arrière, mais également sur l'avant, sur le bas, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre carte commence grandement à prendre forme. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper de nos deux jolis petits oiseaux qui vont venir la terminer sublimement. Et pour pouvoir les ajouter sur notre carte, nous allons leur ajouter un peu de couleur, leur donner vie dans des teintes bien évidemment coordonnées. Je prends donc le nécessaire et je vous montre ça plus en détail. J'ai donc pris nos deux petits oiseaux que nous avons tamponnés avec notre encreur Memento en couleur noire pour pouvoir les coloriser avec nos feutres à alcool. Et justement, en parlant de feutres à alcool, nous allons avoir besoin de trois teintes, bien évidemment coordonnées, à savoir pétale rose, piscine partie et enfin mystérieuse brume, et à chaque fois dans leur version foncée. En effet, nous allons coloriser chacun de nos petits oiseaux dans trois teintes différentes. Tout d'abord, première étape, je vais utiliser mon feutre Piscine Party dans la version foncée.
je vais utiliser ma pointe la plus fine et je vais ajouter un peu de couleur d'une manière, vous le voyez, tout ce qu'il y a de plus normal, du coloriage tout simple, et je viens ajouter ma couleur uniquement sur la partie haute. Je laisse son ventre sur le bas puisque nous allons le coloriser dans une autre couleur. Une fois que j'ai ajouté cette première teinte, je vais avoir besoin de mon feutre pétale rose et je vais ajouter ma couleur ici, uniquement cette fois-ci sur le bas. Une fois que ces deux premières couleurs ont été ajoutées, pétale rose et piscine partie, je vais avoir besoin de mon feutre mystérieuse brume dans la version foncée et avec ma pointe la plus fine, je vais apporter un peu de couleur uniquement à certains endroits, ici sur la partie basse de son aile. Je vais en ajouter un petit peu ici sur le haut de son visage et au niveau de la queue. Et ensuite, immédiatement, je viens repasser avec mon feutre piscine partie par-dessus afin de mélanger ces deux teintes entre elles. Et vous allez voir que cela va changer d'aspect. Nos couleurs vont se fondre entre elles pour obtenir un oiseau particulièrement joli. Nos couleurs vont faire tout le travail grâce à la solution d'alcool qui se trouve à l'intérieur. Et je vais simplement terminer avec mon feutre ardoise bourgeoise dans la version claire. Je vais en ajouter un peu au niveau du bec et un peu au niveau de ses pattes pour obtenir ce joli petit oiseau. Ici, le travail n'est pas encore terminé. Nos couleurs sont encore en train de se marier entre elles. Nous aurons le résultat d'ici quelques instants. Je vais le mettre de côté et je vais refaire exactement la même chose. Je commence donc avec ma couleur piscine partie dans la version foncée. Je colorise toute la partie haute. Je m'arrête ici. Et je peux ajouter ma couleur pétale rose, cette fois-ci sur le bas. Je m'arrête au niveau de la démarcation. Je vais ajouter ma couleur ardoise bourgeoise claire, cette fois-ci au niveau du bec et des petites pattes. Et ensuite, je viens ajouter, pour rehausser le tout, un peu de couleur mystérieuse brume. Seulement à certains endroits, au niveau hop, de l'extrémité de ses ailes, de l'extrémité de sa queue. Et ensuite, un tout petit filet ici sur le haut, et immédiatement pour fondre le tout, vous le voyez ici, cette couleur n'est pas mélangée avec la couleur piscine partie, contrairement à cette version juste ici, et pour cela je viens repasser par-dessus immédiatement après avec mon feutre en couleur piscine partie, et c'est là que la magie va opérer. Je n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour faire travailler nos couleurs entre elles.
Et ainsi, nous n'avons plus cette démarcation pas très jolie. Le rendu est complètement différent. Et une fois notre colorisation terminée, vous le voyez facilement et rapidement, voici les jolis petits oiseaux d'un petit peu plus près que nous obtenons. Pour l'un, je vais lui ajouter des stampines dimensionnelles sur l'arrière afin de le coller en volume. Pour l'autre, je vais lui ajouter un mini point de colle uniquement sur la partie basse afin de le positionner sur le support que nous avons collé à la verticale sur l'œuvre. Une fois ces deux petits oiseaux positionnés sur notre carte, voici le joli rendu que nous obtenons. Un qui a été positionné ici sur la partie arrière et l'autre directement sur notre présentoir sur l'œuvre. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons quasiment à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus qu'à y positionner les petites touches finales en apposant de jolis bijoux. Tout d'abord, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, je vais y ajouter deux jolies petites libellules en version métallisée dorée, une sur la partie avant et une autre sur la partie arrière. Une fois ces petites libellules ajoutées ici à l'arrière mais également sur le bas et sur l'avant, nous allons ajouter des petits bijoux au centre de chacune de nos fleurs. Et pour cela, et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes perles en version gris-souris, dans un style particulièrement doux, et qui correspondait, je trouve, parfaitement à cette carte précédente, aujourd'hui, pour notre version beaucoup plus peps, beaucoup plus colorée, nous allons changer de bijoux. Et pour cela, nous allons utiliser ces jolies gemmes métallisées, et je vais en positionner un petit en version cuivrée au centre de chacune de mes fleurs. Une fois cette dernière petite touche finale ajoutée, une fois tous ces bijoux positionnés au centre de chacune des fleurs, voici le superbe rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre carte et son panneau 3D sur l'avant est désormais terminé et je peux pour autant sans aucun problème le replier sur lui-même afin d'être glissé dans une enveloppe. Et une fois notre carte ouverte, c'est là qu'elle présente toute sa beauté et son originalité. Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolies cartes et leur panneau pop-up. Ici, ma version précédente tout en douceur, ou notre version du jour, elle, tout en couleur. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.